cas Sori Fofana reconduit Premier ministre, il ne faut pas s'attendre à un changement, dit Jacques Bonimi. Comme annoncé précédemment, le président Alpha Condé a reconduit Ibrahima Kassori Fofana au poste de Premier ministre. Le décret a été lu à la télévision nationale hier soir, vendredi 15 janvier 2020, un mois après la prestation de serment du chef de l'État guinéen pour un troisième mandat et quelques heures seulement après l'annonce de la démission du gouvernement. Et, cette annonce suscite des réactions au sein de la classe politique guinéenne. Interrogé par un journaliste de Guinée-Matin.com, le président de l'Union pour le Progrès de la Guinée, UPG, Jacques Bonimi, dit n'être pas surpris par cette décision du président de la République. L'opposant dénonce un statu quo et dit n'attendre aucun changement dans la façon de gouverner du régime Alpha Condé. Moi, ça ne m'étonne pas que Dr Kassori Fofana soit reconduit à son poste. Ils vont mettre en place un gouvernement de récompense encore, et donc, ce n'est pas un étonnement. C'est d'ailleurs une suite logique et c'est le statu quo qui reste. Il n'y aura aucun changement. Nous avons voulu aller à l'alternance mais le statu quo est resté. Donc, il ne faut pas s'attendre à un changement, a réagi ce responsable de l'ANA. Ibrahima Kassori Fofana est arrivé à la primature le lundi, 21 mai 2018. Il fut l'un des acteurs majeurs du changement constitutionnel du 22 mars 2020 ayant permis au président Alpha Condé de briguer un troisième mandat. Et, c'est justement à cause de son engagement dans ce combat que plusieurs observateurs avaient prédit sa reconduction, estimant que le chef de l'État ne voudrait pas se débarrasser d'un tel pion. Après le Premier ministre, les membres de son gouvernement seront-ils aussi reconduits? Attendons de voir.